Donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens pour une nouvelle vidéo. Donc c'est pour vous montrer les produits que j'ai achetés chez Action. Donc j'ai acheté la semaine dernière et cette semaine. Donc moi dans mon Action, il n'y avait pas grand-chose. Les stocks, les rayons sont assez vides. Il n'y a pas trop de nouveautés, il n'y a pas trop de choses intéressantes. Enfin, il n'y a pas grand-chose quoi. En ce moment, c'est assez difficile. Maintenant, j'ai entendu que demain, ils allaient recharger les rayons. Donc je sais pas. J'irai peut-être faire un tour comme ça juste pour voir, mais bon voilà, on verra. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Donc, par contre, j'ai pas retrouvé mon ticket de caisse. Donc, si je le retrouve, je vous mettrai les prix qui s'afficheront quelque part. Sinon, ben voilà, désolé. Donc, la semaine dernière, j'ai acheté. Donc, on va commencer par les produits de beauté. Donc, j'ai acheté du charbon. Alors, comment ils appellent ça, eux? Donc, pour les dents, du charbon. Donc, je ne l'ai pas encore testé, je ne l'ai pas encore ouvert. Donc, je vous dirai si ça fonctionne ou pas. Donc, je ne l'ai pas payé cher, celui-là. Ça devait être dans les 1 euro. 1,99€. Donc à l'intérieur, ça se présente. Donc quand vous ouvrez, c'est. Ça sent très bon. Quand vous ouvrez, c'est comme ça. Et vous enlevez la petite languette. Et c'est de la poudre de charbon en fait. Donc ça sent super bon. Enfin, ça sent bon, quoi. Ça sent bon la menthe. Ça décape les trous de nez. Hein. Donc ils disent que c'est à de 2 à 4 minutes qu'il faut se brosser les dents. Donc je vous dirai si ça marche. Il faudra que je lise la notice. S'il y en a une, bien sûr. Ensuite, j'ai pris de l'aloe vera à la menthol. Donc je sais pas. Pas du tout ce que ça va donner, mais vu que moi j'ai. Voilà, je fais beaucoup d'eczéma et qu'en plus j'ai mal. J'ai beaucoup mal à ma hernie, donc je voulais essayer d'en mettre, voir si ça chauffait, si ça prenait, si ça chauffait bien. Donc je sais pas. Ils disent que c'est refroidissant, apaisant, permet de récupérer. Donc c'est à tester, vu que moi j'ai souvent, souvent mal, donc je testerai. Donc je vous mettrai, hein, si je peux, si je retrouve le ticket, je vous mettrai les prix dans un coin. Et j'ai pris une autre aloe vera. Donc j'ai pris celle-ci. Donc parce que j'ai les mains très sèches, j'ai vu qu'elle était bonne pour tout ça. Donc à tester, hein, on verra bien si ça fonctionne ou pas. Ensuite, je me suis acheté une brosse. Donc une brosse comme ça avec un petit miroir derrière. J'ai pris celle-ci pour mon conjoint parce que lui il a beaucoup de cheveux. Donc à tester si c'est bien ou pas. J'ai pris donc la palette de maquillage. Je vous ai fait une vidéo. Donc la palette de maquillage à 1,99€. Et j'ai fait ce make-up là avec. Donc elle est comme ça. Donc vous avez 9 couleurs et vous avez 2 pinceaux et le miroir. Donc franchement pour 1,99€ ça va. Après il y a certaines couleurs où voilà ça se voit pas trop. Donc ensuite j'ai pris cette petite brosse là. Donc elle est pas mal. Maintenant à voir si ça marche bien. C'est un masque au caviar. Donc à tester quoi. Pour l'instant j'ai pas encore testé. Je peux pas vous dire ce que j'en pense. Si c'est bien ou pas. J'ai pris des lingettes. Parce que voilà, j'avais pu trouver de lingettes, ça me bouffe les mains, donc je préfère utiliser celle-là. J'ai trouvé la palette comme ceci. Donc c'est la Fab Factory Nude et il y a 18 couleurs. Donc elle est super jolie, donc elle se présente comme ça. Donc il y a des fards à paillettes, il y a des fards irisés et des fards mats. Et là, vous avez voilà comment se maquiller. Et derrière, vous avez des couleurs. Donc, moi, je trouve qu'elle est pas mal. Donc, je la testerai. Je vous dirai ce que j'en pense.
Ensuite, j'ai acheté des petites soucoupes pour mes plantes parce que j'avais besoin de les changer. Et j'ai pris deux paquets de coton démaquillant. Il y a 80 pièces. Donc, ils sont comme ça. Alors, moi, je sais pas ce que j'ai en ce moment. J'ai les yeux qui sont hyper fragiles. Donc, je me suis acheté donc des lingettes démaquillantes. Donc, celles-ci. Je crois qu'elles sont à 69 centimes. Et franchement, ça fait du bien au niveau des yeux parce que j'ai le Diadermine en lait démaquillant. Mais je sais pas, il me convient pas. Pourtant, ça fait des années que j'utilise, mais je sais pas, ça me convient plus. Doux et nourrissant à base de café enrichi à la vitamine B, à l'huile de tournesol. Ah bon, à l'huile de tournesol. Bah. Donc, à tester, quoi. Ce que ça donne. Et j'ai pris un baume où il y avait deux à l'intérieur. Parce qu'il n'y avait plus l'autre que je prends d'habitude. Donc, j'ai pris cela. Donc, moi, j'ai besoin de beaucoup hydrater mes lèvres à cause du piercing. Hein. Donc, il faut que j'hydrate beaucoup, beaucoup parce que j'ai les lèvres hyper sèches. Donc, ils sont comme ça, les petits baumes. Ils sentent bon. Et il y a une petite couleur. Donc, voilà. Donc, c'est une petite couleur comme ça. Donc, ensuite, pour cette semaine, donc j'y suis allée tout à l'heure. Donc, je vous mettrai toujours les prix quelque part là ou là. Donc, là, c'est mon pantalon qui sèche, hein, désolée. J'ai mon laisse qui sèche derrière. Donc, j'ai pris deux serpillères parce que on a fait un grand, grand nettoyage dans l'appartement en bas. Et on avait un maximum de bordel, pas possible. Et il fallait nettoyer absolument parce que c'était devenu l'apocalypse là en bas. Et j'ai repris des serpillères pour en haut parce que dis donc, l'état de la serpillère, je vous dis pas. Hein. Le parfum de Lulu Castagnette. Donc c'est de l'eau de parfum. Et je sais qu'il y avait encore deux autres où il y avait eau de parfum encore et l'autre c'était du parfum. Du vrai parfum. Donc à voir ce que ça donne. Hein. Donc ils sont comme ça, donc je vais les ouvrir. Et l'autre il est comme ça. Donc c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Donc je vais les ouvrir pour voir. Alors le premier. Donc ils font 100 millilitres. Et ils sont au prix de 9,95€, je crois, un truc comme ça. Oh, le flacon, il est original. Donc, il est comme ça. Le flacon, il est un peu original. Donc, je vais tester. Il est beau, le capuchon. Un petit diamant, on dirait une petite perle. Donc alors moi je supporte pas les parfums donc j'espère que ça va pas trop sentir. Il est assez original. Ah il sent bon. Il sent pas trop fort, il est un petit peu fruité. Donc ça va, il sent bon. Donc le deuxième je vais l'ouvrir. Donc pareil, ils ont un packaging assez bizarre. Voilà, ils sont comme ça. La bouteille, elle est comme ça. Donc pareil, c'est 100 ml aussi. Et on a le petit diamant au-dessus. Donc je vais voir s'ils sont bons. Et c'est la marque Lulu Castagnette. Et pareil, 100 ml. Et c'est de l'extrait extrait de parfum. Non, c'est de l'eau de parfum. Ah, il sent bon aussi celui-là. Ça va. Parce que moi, ça me donne vite mal au crâne et puis je supporte pas trop tout ce qui est parfum. Donc ça va. Il sent bon. Donc ensuite, j'ai pris cette petite licorne qui est assez rigolote. Alors c'est une tirelire. Moi, je vais m'en servir de décoration. Donc elle est super chouette. Moi, je l'aime bien. Dommage qu'elle n'était pas à couleur, mais elle est chouette. Elle est pas mal. Elle est super rigolote. Donc, vous avez
la petite tirelire. Mais moi, je vais m'en servir comme déco, mais elle est super chouette. Donc ensuite, j'ai pris un gommage. Je crois que ce sont des gommages. C'est des peelings doux. Donc j'en ai un. Donc c'est coco charbon. Ils font 75 millilitres. J'en ai un autre, c'est au watermelon, donc à la pastèque. Et l'autre, il est au kiwi. Donc, à tester. Donc, je vous dirai si c'est bien ou pas. Donc, le kiwi, j'ai eu du mal à les trouver parce que la semaine dernière, ils n'y étaient pas. Et cette semaine, il en restait vraiment pas beaucoup, hein. Donc, c'est assez difficile quand on est intéressé par quelque chose de pouvoir les trouver. Moi, je cherche aussi le gros pot à bonbons, là, en décoration, mais je ne le trouve pas. Donc ensuite j'ai changé, donc j'ai pris cette crème là, donc anti-âge, donc elle est pour, il y a 50 millilitres, c'est Diadermine et c'est un soin de jour anti-rides. Donc c'est à partir de 30 ans jusqu'à 55. Donc avant moi j'avais celui-là, mais ça me faisait beaucoup peler sur le visage. Donc je vais tester celle-là et voir si je vais finir d'abord celui-là et ensuite tester celui-là, voir si c'est bien ou pas. Donc ensuite j'ai repris des lingettes démaquillantes mais des roses pour tester les roses, voir si c'est bien ou pas, parce que les bleues, enfin les violettes, elles sont pas mal. J'ai repris un rasoir parce que je me suis cassé l'autre rasoir, j'ai cassé mon autre rasoir. Donc ensuite j'ai trouvé des petits parfums à 99 centimes, je crois qu'ils étaient à 99 centimes, je sais plus. Donc j'ai pris un vert comme ça. Donc je monte déjà les modèles. Donc j'ai pris un vert, j'ai pris un blanc, j'ai pris un comme ça, un espèce de doré, un noir. Donc j'ai pris tout cela qu'il y avait hein, pour tester. Et un comme ça. Donc ce sont des parfums. Non, c'est eau de parfum. Lui, c'est aussi une eau de parfum. C'est que des eaux de parfum. Bon bah ça tombe bien parce que moi j'aime pas. Donc ça c'est pour homme. Donc celui-là, il sera pour toi. Celui-là, il est pour femme. Celui-là, il est pour femme. Celui-là, il est pour femme. Et celui-là, il est pour femme. Donc, c'est des autres parfums aussi. Donc, je vais vous montrer le vert. On va commencer par le vert. Donc, il n'y a pas de bouchon. C'est un petit peu dommage qu'il n'y a pas de bouchon. J'ai l'impression qu'il a été entamé celui-là. Attendez que je regarde dans les autres. Ah non, ils ont tous pas de bouchons en fait. Donc ils sont comme ça se présente comme ça. C'est un des petits flacons. Donc c'est 15 millilitres. Et apparemment celui-là, il y a de la citronnelle. Donc je comprends pas trop ce qu'il y a hein, parce que c'est pas écrit en français. Donc je vais le tester. Donc je vais retirer le petit bidule là. J'ai pué le parfum, enfin l'eau de parfum partout. On dirait un peu de l'eau de Cologne. Donc si ça sent l'eau de Cologne, moi ça me dérange pas. Ça va. Ça va, ça chlingue pas trop. Donc ensuite le blanc, bon je vais pas tous les tester hein, parce que j'ai pas envie de sentir de partout là le parfum. Donc il se présente comme ça, celui-là. Donc lui c'est alors je sais pas du tout à quoi il est. Donc on verra si ça sent bon, hein, je sais pas du tout. Donc je vous montre juste les modèles. Ensuite, on a donc un petit comme ça. Donc après, c'est bien si vous avez un petit étagère ou quoi, vous pouvez les poser. Donc comme ça, pour 99 centimes, hein, c'est pas cher. Hein. Normalement, moi, j'aime pas les parfums. Je déteste les parfums. J'aime pas l'odeur, ça me donne mal au crâne. Ensuite, pour le noir, on a donc un flacon comme ça. Et c'est tout 75 millilitres, je crois.
Il n'y a même pas écrit pour celui-là. C'est 15 millilitres. Donc je pense que c'est tous 15 millilitres. Et pour le dernier, donc celui-là. Ah, il est joli le flacon. Donc c'est comme ça. Un petit flacon comme ça. Il est pas mal celui-là. Il est joli. Et je sais pas du tout c'est à quoi. Hein. Il n'y a vraiment pas écrit du tout. Donc pour 99 centimes, c'est pas mal. Après, à voir s'ils sentent bon. Donc j'ai acheté des petites boucles d'oreilles. Donc comme ça. Donc j'avais surtout envie de les acheter pour ceux-là, là. Les petites couronnes avec la croix. J'aime beaucoup. Après, il y a des feuilles, il y a des fleurs, des cœurs. Enfin, elles sont vraiment jolies. Donc ça, ensuite j'ai pris des paquets de pinces, des à clips, donc comme ça. Et j'ai pris ceux-là, que je trouvais pas mal. Et j'ai pris des buns pour mes cheveux, parce que vu que j'ai les cheveux super fins, des tout petits comme ça suffit largement. Donc les pinces, on va voir ce que ça donne, si ça fait moche. Bon, hein, faut pas regarder comme ça. Hein. C'est juste pour tester. Hein. Donc je vais en essayer une. J'en avais pris des autres avec des chats et tout, je sais pas. Si je les ai pas reposées, je sais plus. Hop. Donc qu'est-ce que ça donne? Je la mets là comme ça, vous voyez. Donc voilà, ça donne ça. Après, vous pouvez la mettre où vous voulez, hein. Voilà. Ça donne ça. Et après, vous avez des modèles de fleurs là. Et là, vous avez des fleurs comme ça. Donc des petites fleurs en argent et en doré. Et là, c'est en espèce de vert et d'argent. Vert bleu, hein. J'ai acheté de la javel. Donc ça, c'est en petit, en genre de comprimé. Donc je les aime bien. Il y a 58, 58. On va dire 58 comprimés, 58 pastilles, voilà. Et franchement, moi je les utilise tout le temps, ça marche bien. Je trouve que c'est un peu plus économique que de prendre le bidon, verser, machin, bidule. Donc ensuite, j'ai repris ces trucs-là pour les toilettes qui sentent super bon. Donc vous avez différents modèles. Ensuite, on a pris de la super glue, parce que j'avais mes lunettes qui étaient cassées, donc je voulais essayer de les réparer avec la super glue. Et là, mon conjoint, il a pris ça pour lui. Donc ça, c'est quoi? C'est des câbles, mais à quoi ça sert en USB? Ah oui, c'est pour recharger la manette de PS4, hein, c'est ça? C'est pour recharger la manette de PS4. Donc voilà. Parce que le sien, son câble, il est cassé. Et ensuite, on a acheté cette agrafeuse. Ça, c'est une. Donc c'est une agrafeuse. Parce qu'on va essayer de réparer l'arbre à chat. Parce que l'arbre à chat, il est complètement cassé au niveau du tissu. Donc on va tout changer. On a acheté des plaids. On va tout changer. Et on va essayer de réparer avec la machine. Et on va essayer de leur faire un truc bien. Parce que vu que c'est juste le tissu qui est cassé, on ne va pas changer tout l'arbre. On va juste changer le tissu. On a acheté des plaids. On va voir ce que ça donne. Et pour finir. On a acheté la fameuse huile à l'ail. Donc, à tester, pour voir ce que ça donne. Alors, je ne sais pas si on peut la faire cuire. Je ne sais pas. En tout cas, à ce qui paraît, elle est bien. Donc, à tester. Et donc, c'était sur 2 semaines. Donc, c'était la semaine dernière et cette semaine. Donc voilà. Donc, le make-up, hein, c'est pour avec cette palette-là. Donc à 1,99 et je vous ai fait de toute façon une vidéo que je mettrai par la suite. Voilà, donc moi j'ai fini ma petite vidéo de chez Action. Ça faisait un petit moment qu'on n'était pas retourné. Hein. On n'y va pas souvent, on sort pas souvent. Donc j'essaie de me trouver des pinceaux, mais comme dit, hein, il n'y a rien dans mon Action. Donc sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo.
Et puis laissez-moi un petit commentaire ou mettez-moi un petit pouce. Voilà, donc je vous remercie et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye!